Bonjour à tous, c'est Bustasan, bienvenue pour une nouvelle VOD. On va faire la revanche sur les portails du double Dokkenfest de la Golden Week. Donc j'espère avoir un peu plus de chance ce coup-ci, surtout sur Piccolo. Parce qu'au final, on va faire un cycle sur chaque à nouveau. Avant de commencer cette petite vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche de notification pour suivre les prochaines VOD et mettre le petit pouce bleu pour le soutien, tout simplement. Donc nous, on va refaire en 11 speed un petit tour de détecteur, mais c'est pas vraiment nécessaire, mais histoire de dire, voilà, histoire de mettre les choses au point. Donc voilà, sur Piccolo. Le Piccolo d'office, il me le faudrait, mais bon, ouais, on va retenter un cyclone, on verra bien. Le Krillin, j'ai déjà, donc pourquoi pas rechoper un doublon. Le Gohan Beast, c'est bon, je l'ai qu'un doublon, je le voulais pas spécialement, maintenant je l'ai qu'un doublon, c'est bon, on a plus besoin. Lui, 100%, j'en veux pas, 100%, j'en veux pas, 100%, j'en veux pas, 100%, je n'en veux surtout pas, parce que j'en ai eu 4 ou 5, et lui, je n'en veux pas non plus, parce que 100%. Donc ça, c'est le portail ultra dangereux. Petit portail de Goku. Donc le Goku, je l'ai pas, je le veux évidemment. Le Tenchinan, je l'ai pas, je le veux. Piccolo Orange, je l'ai une fois, je le voulais pas spécialement, je l'ai une fois, j'ai plus besoin de l'avoir pour l'instant, voilà. Celle, il me manque un doublon, donc c'est pas une priorité, mais pourquoi pas. Kid Buu, il me manque des doublons encore, donc pareil, pas prioritaire du tout, mais pourquoi pas. Metal Cooler, je l'ai 100%, lui je l'ai pas 100%, mais je m'en fous. Et Kid Goku, je l'ai 100%, donc voilà un petit peu. Portail quand même assez dangereux. Donc on traîne pas trop, on est parti, on a 8 multi en tout à faire, donc 4 sur chaque portail. Espérons que ça paye. Let's go. Donc j'espère que ce coup-ci, on va avoir un petit peu de mouvement. Ok, Tenshinhan Chaozu, ça peut être très très bien. Plutôt encourageant. Donc c'est plutôt bon signe. Alors, pas de fusion blue, pas de fusion blue, pas de fusion blue. Ouf. Enfin, ce fusion blue, de toute façon, c'est LR automatiquement, donc c'est Piccolo Orange. Donc là, pas de fusion blue, ça me va très bien. C'est pas elle. Soyez rassurés. Donc déjà 100%, ça fera 3 pièces. J'avoue, quand ça tombe direct comme ça, t'as potentiellement un petit peu peur. Donc logiquement, ça devrait être du Dokkan Fest. Et malheureusement, la couleur qui retombe déjà 100%. Quand les portails sont dangereux comme ça, ça ne peut qu'arriver. Après, très bon ZTUR. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas monté, de le monter. Et la multi n'est pas terminée, donc avec un peu de chance, on peut peut-être avoir quelque chose de bien. Bon, bah, ça refera 3 pièces, voilà. Donc voilà, voilà, déjà plus 9 pièces. Bon, c'était pas le but du tout, mais bon, on fait avec. Allez, deuxième multi, on enchaîne. On enchaîne pas, on traîne pas trop. Donc ce sera bien d'avoir de l'animation pour choper du nouveau. Ok, bah comme d'hab, quand j'ai mis ce guerrier, c'est toujours un trop. Donc là, ça veut strictement rien dire. J'ai jamais vu de remonter en arrière quand oui, c'est avec plus de deux personnes, enfin plus d'une personne. Donc voilà ce que je disais. Donc là, le boss, ce serait de choper une bonne amie qui nous file directement le perso qu'on veut. Donc celle-là, ça se pourrait bien que ça soit une multi-caca. C'est bien parti pour. Et on va finir avec juste un SSR. Bizarrement, déjà vu. J'ai déjà eu l'impression de finir une multi il n'y a pas longtemps avec ça. Bon, ok, celle-là, c'était vraiment de la merde. On enchaîne. Donc plus que deux multis sur celle-là. Celle-là plus la Kratos. Encore un trop. Il me troll. Il me troll ce double portail depuis qu'il est arrivé. Combien de fois j'ai eu Beerus ou Whis avec deux personnes, quoi. Alors, une seule, ça serait magnifique parce que ça me la garantirait. Hein. Bon, ça c'est encore de la multi-caca. Donc voilà, ça sera juste la revanche. Il n'y aura pas de re-revenge parce qu'on aura déjà assez claqué de DS dessus. Ce qui sera déjà une bonne chose de faite. Après, on attendra de toute façon les millions de téléchargements que ça revient. Et la Kailandu qui est déjà 100% aussi depuis, je crois, depuis belle lurette. Ou peut-être que c'est pas le cas. Si, c'est le cas. Ok, bon, la Gratos nous a pas plus porté chance ce portail-là. C'est vrai qu'avec l'année dernière, ça m'avait mis extrêmement bien l'année dernière la Golden Week. Mais cette année, j'ai oublié qu'on reprenait les bonnes vieilles habitudes de se taper de la merde. Donc à mon avis, le Goku, on va s'asseoir dessus à moins d'un petit coup de chance. Mais bon, voilà, j'y crois pas vu l'animation qu'on a eue, évidemment. Ce
Celles-là, elles sont aussi bien pâtées comme il faut. Ok, on a pas mal de cyborgs, mais... Ok, ouais, ouais. Heureusement, si c'est pas le dernier, c'est j'allais dire oh my god, quoi. Et c'est du même acabit, voilà, c'est du même acabit. Bon, et bah, on va refaire un cycle sur Piccolo, et puis basta. En espérant que lui, il tombe ce coup-ci. Parce que là, j'avoue que ces portails-là, on a repris les bonnes habitudes des autres d'année avant, ils m'ont bien chié à la tronche, hein, clairement. Petite animation anti-Zeno. Ok, on a rien de propre là-dedans. 5 personnes, ça veut strictement rien dire. C'est J2. Ah, on l'avait bien chaté jusqu'à maintenant, mais bah, tout, comme toute bonne chose. Putain, mais pendant 10 secondes, il a failli faire une joie. Mais c'est vrai qu'il est pas du tout dans cette position-là. J'ai vu du Namek, j'ai eu un petit bug passager. Ok, ça c'est de la multi chauffe. Ok, ok. Défilé de perso pourri, c'est pas grave. Allez, plus que 3 multi. Oh putain, mais ces animations! Même pas un petit Zeno, un truc comme ça, mais les animations claquées qu'on a. Et c'est J2. Ah, peut-être un bon truc. C'est tout ou rien de toute façon. Ça va être soit que c'est que de la merde, soit ça va être bon. Alors j'espère que ça va être du bon. C'est pas lui qu'on veut. Pas de chance, 100% déjà, donc voilà. Et lui, déjà 100% depuis belle lurette, mais la multi pas terminée. Ah, petit doublon du Yajiro B, donc ça on prend, cool. Bon, c'est dommage parce qu'on chope des unités qu'on a déjà, mais 100%. Ah, il nous en reste deux multi. Espérons avoir une petite faille de rosée, un double Zeno. L'animation Whisbirus, ce serait cool. Ok, il y a Vegeta. Bon, c'est pareil, c'est pas spécialement encourageant, mais ça veut rien dire. Ouais, bon, c'est pas du tout encourageant. Après, des fois, la petite surprise peut popper. Alors ça, c'est pas une... Ouais, ça, on s'en fout, c'est pas une surprise. Alors, d'un côté, ce qui est pas mal, c'est qu'on a fini... on a changé un petit peu les 100% qu'on a pu choper jusqu'à maintenant. En général, c'était souvent du Janemba. Ok, bah, puis la dernière multi, puis bah, puis après, bah, voilà, hein, ça sera bien. Je pense qu'on aura assez claqué de DS dessus, on aura bien tenté notre chance. Allez, une petite animation qui déchire. Non. Ah là 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 là. La catastrophe. Et c'est J3, mais bon, garantit plus rien maintenant, ça. Pas de craquage, ni de double craquage. Bon, alors on va pas se mentir, ça sent unité basique lambda merdique. Peut-être un bon hors détecteur à la limite, mais... Bon, le Piccolo et le Goku nous seront littéralement passés pile poil devant le nez. Et c'est pas faute d'avoir tenté correctement. Et des fois, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Ok, ouais. No comment. Ok, bon, bah voilà. Bon, bah cette revanche aurait été une défaite, tout simplement. Donc j'espère que les prochains portails, ça sera un petit peu mieux, parce que là, bon, j'ai eu beaucoup de chance jusqu'à maintenant, mais là, ce portail-là, ces deux portails m'ont bien chié à la tronche, bien comme il faut. Donc j'espère que vous avez plus de chance sur ces petits portails-là, surtout si vous avez fait une revanche. Et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, à bombarder un petit peu de pouces bleus, histoire de soutenir un petit peu le coup que l'on vient de prendre au moral. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée.
une bonne continuation, une bonne chance pour ceux qui vont refaire des invokes. Des bougeous, prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao tout le monde!